Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis au top du top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. Je vais vous montrer les différentes manières de porter ou d'accessoiriser un manteau. Donc vous savez, on est bientôt en hiver, il fait froid. On n'aime pas trop l'hiver parce que voilà, il faut mettre le manteau des couches sur le vêtement. Et ça cache un peu, ça gâche un peu notre style et tout. Donc aujourd'hui je vais vous montrer différentes manières de porter le manteau pour rester stylé malgré le froid. Il faut rester stylé, il faut rester élégante. On lance le générique et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes de retour. D'abord, j'ai choisi cette robe-là parce que c'est une robe simple et qui va aller avec les différents styles. C'est une robe Zara. Je l'ai depuis 2 ans déjà. Et le manteau aussi, c'est un manteau Zara. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un manteau simple comme ça, bleu foncé. Et il y a 2 boutons ici. J'aime beaucoup. C'est vraiment stylé. Je crois que c'est la collection de l'année passée. Le premier style que je vais vous montrer, c'est juste de poser. Il suffit juste de poser votre manteau sur les épaules comme ça. Ça donne un style un peu chic, voilà, comme une grande dame, working girl et tout. Mais avec ce style, le problème est que c'est mieux quand vous êtes en voiture ou vous prenez le taxi, parce que sinon vous aurez un peu froid. Ok, on veut bien les styles, mais on veut pas mourir de froid. C'est beau, donc comme vous pouvez le voir. Passe au look 2. Le look 2, je portais mon manteau, mais je vais pas laisser comme ça parce que sinon c'est trop simple et tout. Je vais venir ajouter la ceinture. Donc ce que je vais faire, je vais venir d'abord fermer mes boutons. La première ceinture, c'est cette ceinture là. Si vous avez vu mon haul de chez Fashion Nova, c'est une ceinture que j'ai achetée chez Fashion Nova. Donc si vous voulez les choper, allez voir mon haul de Fashion Nova que je vais vous mettre là. Donc voilà pour le look 2. J'ai attaché ma ceinture comme ça, avec la petite touche dorée qui vient rappeler aussi le doré de boutons du manteau. Ça fait pas mal, ça ajoute quelque chose. Là, t'as pas simplement mis un simple manteau, vous voyez. Donc vous avez ajouté un peu du style, un peu du peps. Donc c'est pas seulement un simple manteau que t'as mis, mais c'est un manteau stylé. Ça peut tout changer. Si j'enlève l'enceinture, vous verrez que c'est un manteau simple, vous vous êtes habillé simple et tout. Une fois que vous ajoutez la petite ceinture, ça ajoute quelque chose à la tenue et c'est tout de suite élégant, joli. Fois-ci, j'ai pris cette ceinture là. Comme vous pouvez voir ici, c'est un peu plus grand et plus ça rétrécit à la fin, au bout quoi. Look 3 avec une ceinture différente, je trouve que ça va aussi. Mais après, il faut voir avec quel sac mettre là, par rapport aux couleurs, parce que l'autre, la précédente, il y avait des touches dorées, là c'est argenté. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. En plus, ça vient marquer la taille, du coup, la ceinture. Du coup, voilà, ça marque votre taille, ça met votre taille en valeur. Franchement, j'aime beaucoup les ceintures parce que ça apporte toujours quelque chose à la tenue. Et pour le look 4, je vais changer encore de ceinture. Cette fois-ci, je vais mettre la ceinture un peu plus gros. J'ai mis une ceinture un peu plus grosse. Donc là, j'adore, j'aime trop le fait que ça donne avec une ceinture un peu plus grosse. Ça vient encore plus marquer la taille, comme si quelqu'un qui a mis un corset. Franchement, c'est nickel. Je crois que c'est mon style préféré.
vous mettez des petits talons ou des bottes. Ça dépend, si vous êtes en voiture, vous pouvez mettre des escarpins. Ou alors, si vous prenez les bus comme nous et tout ça, vous mettez des bottes, chaussettes montantes. Pour le style suivant, je ne sais plus si on est au cinquième ou quatrième ou cinquième. Donc j'ai mis cette ceinture-là cloutée comme ça, que j'aime beaucoup. Que, franchement, les ceintures, ça ajoute quelque chose à la tenue. Ça marque la taille, ça donne un peu du peps. Vous pouvez jouer avec des couleurs, avec des modèles différents. Le ceinture fine, plus grosse, moyenne et tout. Franchement, c'est... Et pour le dernier style, je vais mettre un truc un peu plus coloré. C'est un sac banane que je vais venir mettre. C'est coloré, c'est rouge. Donc vous pouvez vous habiller comme ça, une robe noire, le manteau noir, vous ajoutez ça, ou même blanc, ou même des couleurs, peu importe, mais ça ajoute un peu de la couleur parce que voilà, l'hiver c'est un peu triste avec des couleurs foncées, tout, vous ajoutez un peu de couleur, c'est nickel. Voilà pour ce dernier look. Vous voyez comment ça ajoute un peu de couleur. Je trouve beau, la petite banane devant, comme ça, vous pouvez le mettre devant, comme ça, c'est beau. Mais là, avec ces looks, je me vois mettre des baskets avec, pas vraiment les talons. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pouvez mettre comme ça avec des talons. Mais moi, je me vois mettre ça avec des baskets ou avec des bottines. Vous pouvez même le mettre sur les côtés comme ça. Ça ajoute un peu du style et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être avec un total look noir, ça ira avec le béret et tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer les différentes manières de porter un manteau, d'accessoiriser, d'apporter un peu du style, un peu du peps sur la tenue en hiver, en automne et tout. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et dites-moi en commentaire les styles que vous avez préférés. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snap que je vais vous mettre juste là. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis bisous. De moins.